Comme l'a révélé Le Parisien ce lundi 27 février, l'officier de police judiciaire de permanence a immédiatement appelé sa hiérarchie, à savoir l'état-major de la préfecture de police et le parquet de Créteil, Val-de-Marne, lorsqu'une jeune femme s'est présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne, et a affirmé aux policiers avoir été victime de viol par le joueur du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi. La victime présumée, 23 ans, domiciliée à Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne, n'a pas voulu porter plainte contre le sportif. Elle a, en revanche, décidé de faire une déclaration de viol. En apprenant cette affaire, le parquet de Créteil s'est d'abord auto-saisi de l'affaire avant de la transmettre à celui de Nanterre, Hauts-de-Seine, puisque les faits se seraient déroulés dans une commune voisine, à savoir Boulogne-Billancourt. Ce lundi, les enquêteurs planchent sur le dossier, monté sur la base des déclarations de la plaignante, a précisé le quotidien régional, en ajoutant que la jeune femme n'a pas encore été entendue par le service enquêteur. Une pénétration digitale à en croire les dires de la jeune femme, les faits remontraient au 16 janvier dernier, lorsqu'elle a commencé par échanger des messages avec le latéral droit du PSG sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Samedi dernier, elle se serait rendue au domicile du joueur à Boulogne, en prenant un Uber que l'ami de Kylian Mbappé lui aurait commandé. Mais une fois arrivée chez lui, les choses dérapent, écrit Le Parisien. L'international marocain l'aurait embrassé sur la bouche, lui aurait soulevé ses vêtements et embrassé les seins malgré ses protestations. Elle affirme également que le sportif a commis une pénétration digitale malgré, là encore, ses protestations. Elle serait finalement parvenue à se dégager de son agresseur en le repoussant avec son pied. Elle aurait, dans la foulée, contacté l'une de ses amies par SMS, qui serait venue la chercher. Pour rappel, Achraf Hakimi est blessé depuis quelques semaines et n'était donc pas à Marseille ce week-end avec ses coéquipiers pour affronter l'équipe phocéenne. Ce qui pourrait justifier le fait qu'il se trouvait chez lui à Boulogne ce samedi soir. Achraf Hakimi est présumé innocent des faits qui pourraient lui être reprochés.